parler de mes lectures, mes dernières lectures. Donc j'ai 4 livres à vous présenter, dont 3 en livre et une que j'ai lue en Kindle. Donc, je vais commencer par le premier livre. Donc c'est Une fille parfaite de Marie Kubica. Alors ce livre, j'ai eu du mal à le lire en fait au début parce que ce qui est assez troublant, c'est qu'on a énormément de narrateurs différents. Donc en fait, l'histoire, c'est une jeune fille en fait qui s'est fait enlever. Dès le début, on apprend que la jeune fille s'est fait enlever. Donc en fait, on a la mère qui parle, le policier qui mène l'enquête, et on a aussi le ravisseur. Donc en fait, on tourne autour de 3 points de vue différents. Donc on a le point de vue de la mère. Ce qui est bien, c'est qu'on voit en fait ce que ressent une mère en détresse face à un enlèvement de sa fille. Et ce qui est encore plus déroutant, c'est que dans tout ça, on a les points de vue avant l'enlèvement et on a le point de vue après l'enlèvement. C'est-à-dire que dans l'histoire, on sait quasiment dès le début, elle revient en fait parmi sa famille et on aura aussi comment elle ressent en fait la suite. Et c'est assez particulier parce qu'en fait on la voit aussi évoluer mais on la voit évoluer en fait dans le milieu où elle s'est fait enlever quoi. Et voilà. Donc c'est une histoire qui est très particulière parce que c'est pas une histoire policière où il y a un enlèvement comme ça. On ressent vraiment les émotions de tous les personnages. Ce livre au début est assez déroutant, mais au final c'est quand même une histoire assez particulière, mais très sympa. Ça vaut le coup, franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller au bout du livre. Et donc voilà, nous, de David Nichols, là c'est aux éditions Bellefond. Et cette histoire, en fait, je l'ai lue parce que j'avais lu Un jour, un des premiers romans de David Nichols, et j'avais adoré. C'était une romance, mais vraiment pas une romance d'un adulte et tout, c'est vraiment une romance contemporaine où il se passe plein de choses, on évolue vraiment avec les personnages, l'écriture avait été top. Et là, du coup, je me suis dit, pourquoi pas lire ce livre-là qui est du même auteur. Je me suis dit, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup l'univers, je vais le lire. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu beaucoup de mal. Au début, ça partait très bien, j'adorais. On avait à la fois, l'histoire, c'est l'histoire de, que je dis pas de bêtises, que c'est un petit moment, comment il s'appelle, Douglas et Connie. En fait, Douglas, c'est le narrateur dans le livre. Connie, c'est donc sa femme. Et ils ont un fils qui s'appelle Albi, et dès le début du livre, sa femme lui dit à un moment donné, ça va pas, je veux pas rester vivre avec toi, je veux qu'on se sépare. Ils ont un fils qui s'appelle Albi, qui a 17 ans dans le livre, et on va les suivre en fait à un moment clé en fait, de leur vie. Et ce qui va se passer, c'est qu'au début, on va beaucoup avoir de flashbacks. Beaucoup de retours en arrière pour comprendre comment Douglas et Connie se sont rencontrés, comment l'alchimie s'est faite entre eux en fait. Il va y avoir quand même la romance du début avec ils vont apprendre à se connaître et tout ça. Les épreuves de la vie qu'ils vont avoir vécues depuis toutes ces années. Et en parallèle, on a l'histoire du moment où ils se donnent une dernière chance et ils vont partir en road trip en fait dans l'Europe. Et pendant ce voyage, leur fils va les laisser tomber. En fait, il aura rencontré une jeune fille et elle va décider de partir comme ça, d'un coup de tête avec cette jeune fille, et les aura laissés tomber pendant ce voyage. Mais Douglas, lui, décide au final de continuer ce voyage pour retrouver son fils, parce qu'à ce moment-là, l'entente entre Douglas et Albi, elle n'est pas terrible en fait, ils s'entendent très mal et Douglas le vit très mal, il vit très mal la séparation qui est en train de se profiler avec sa femme et il vit très mal la relation qu'il a avec son fils. En fait, cette histoire, à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à finir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai commencé à lire en travers parce que j'en avais marre des retours en arrière. En fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui se passe avec le fils, est-ce qu'il va retrouver son fils, qu'est-ce qui va leur arriver entre eux, parce qu'à un moment donné, ils se sont un peu disputés. Est-ce qu'il va rester avec sa femme, est-ce que finalement avec sa femme ça va s'arranger, et du coup à un moment donné
Bah, je me dis, on fait bien les retours en arrière, mais à un moment donné, c'est toujours les mêmes retours. Au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu pénible, et du coup, bah, j'ai commencé à décrocher petit à petit, en fait, j'ai commencé à les retravailler. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, ça m'énerve, je vais voir si. Bah, j'ai commencé à sauter des pages, honnêtement, ça, c'est pas bon signe, hein, quand je saute des pages. À un moment donné, je me suis dit, bah non, enfin, j'ai lu les 3 pages du dernier livre pour vraiment savoir s'il retrouvait son fils. Et voilà, puis après je me suis dit non, mais enfin, ça, j'ai plus envie de le lire, quoi. Ça m'intéresse pas, je m'ennuie, j'en ai marre. Enfin, et au début, pourtant, l'histoire partait bien, quoi. Mais j'ai trop de retours en arrière, pas assez de l'histoire. En fait, à peine on est dans l'histoire présente où il se passe des choses là où il est pour voir comment il se débrouille, parce que voilà, et ben, bim, un retour en arrière encore, alors qu'on a appris déjà beaucoup de choses, et je trouvais que c'était ça qui était un petit peu dommage. Trop de retour en arrière tue le retour en arrière et le livre, du coup, bah, à la fin, j'ai pas trop aimé le bouquin en fait. Pourtant, ça partait bien parce que j'adore l'écriture. C'est une écriture assez légère, lisse, enfin, qui se lit. Ça se lit bien en fait. J'ai dévoré je sais plus combien il y a de pages exactement, je vais vous dire des bêtises, j'ai dû dévorer les 250 premières pages comme ça, quoi. Et après, gros bug. Donc, bah, voilà. Ce livre. Je n'ai pas accroché à la fin. Le troisième bouquin que j'ai lu, que vous devez sûrement connaître, ce sont Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. C'est La passe miroir, donc c'était le livre 1. Ça faisait un moment que je l'avais dans ma palle. Et là, j'avais les vacances et je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, et si je lisais ça? Et donc j'ai lu. Et franchement, j'ai trop. Tout de suite rentrée dans l'univers, c'est tellement original, c'est tellement différent, même si ça reste enfin, très fantastique avec quelqu'un qui a des pouvoirs, tout ça, mais c'est vraiment pas des pouvoirs qu'on peut retrouver dans des livres fantastiques. Enfin, moi, c'est la première fois que je me retrouve dans un univers pareil. J'ai tout de suite été happée, mais dès le début en fait, rien que le fait de pouvoir toucher les objets. Oui, parce que pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est une jeune fille qui s'appelle Ophélie qui a le pouvoir de lire dans le passé des objets, et notamment ce qui se passe au niveau des propriétaires de ces objets-là. Et elle a aussi le deuxième pouvoir, c'est de passer les miroirs. C'est-à-dire que par exemple, elle va avoir un miroir dans une pièce et elle va pouvoir se décider d'aller dans une autre pièce qui a un miroir et traverser en fait les miroirs et les espaces, quoi, en fait. Et ce qui va se passer, c'est que plusieurs fois, sa famille va l'avoir proposée en mariage, sauf qu'elle a toujours, à chaque fois, trouvé des raisons pour ne pas se marier avec des cousins, parce que oui, en fait, dans ce livre, en fait, il y a l'esprit qui est le fondateur de la famille sur laquelle, enfin, je sais pas si c'est une cité où vivent les gens, donc elle vit sur Animas, donc l'animiste. Et la famille, et chaque famille, en fait, chaque esprit est le père ou la mère de tous les descendants. Et donc, en fait, c'est des consanguinités. Il peut y avoir des consanguinités parce que chaque personne est un parent plus ou moins proche, mais est un parent. Et donc, elle a toujours refusé de se marier. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une personne qui va la demander en mariage sur une autre terre, en fait, là c'est à la cité à ciel, et c'est Thorn qui va devenir son mari, et c'est en fait le chef, enfin pas le chef, c'est un des clans, ça s'appelle les clans des dragons, et elle va pas savoir, enfin elle va se demander où est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, parce qu'elle part sur le pôle, donc à la capitale du pôle, et elle en a attendu beaucoup de choses, beaucoup de récits un petit peu étranges, elle a peur de ce qui l'attend, et effectivement elle va rentrer dans un milieu qui est complètement différent du sien, qui est vraiment à l'opposé, où il va falloir qu'elle s'adapte à un mode de fonctionnement et de vie très différent. Il va lui arriver plein de péripéties. Je ne veux pas trop en rentrer en détail, mais il va se passer plein plein de choses et c'est super bien. Effectivement, à la fin, on est là, oui, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Je n'ai pas encore ma possession, mais il serait tardé. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si je lis la suite et que j'ai pas. Tome 3 après, bah, ça va être très très dur. Et pour le quatrième livre que j'ai lu, je ne l'ai pas en ma possession parce que c'était sur la liseuse. J'ai lu
Nous étoiles contraires, oui, un livre qui date de quelques temps. Et j'ai décidé de lire Nos étoiles contraires parce que, en fait, d'un coup, je me suis dit, bah, ce livre-là, c'est quand même été un livre vachement aimé de tout le monde, et pourquoi pas le lire. Donc, Nos étoiles contraires, pour resituer un petit peu, c'est une jeune fille qui a un cancer de la thyroïde de base et qui a donc des métastases au niveau des poumons et qui a du mal à respirer, qui vit constamment reliée à une bombe d'oxygène. Et